Moi, je viens ici répéter depuis 25 ans maintenant, 26 ans. Et c'est un lieu où je viens toujours, où je suis accueilli, je le vois avec plaisir, avec amitié. Et pour moi, c'est pareil, quoi. Je les aime beaucoup, les mecs qui sont là, Bruno et Christian et Jacques. Et même avant, il y avait Marco. Ça a toujours été super de venir répéter là. En fait, c'est plus facile pour moi maintenant. J'ai deux musiciens qui viennent de Paris. Un qui est à Rouen, nous on vient du Havre. Et voilà, donc ouais, j'aime beaucoup cet endroit. On arrive, on se branche et on joue et on est bien accueillis. En fait, j'écris mes titres, je les prépare. Et puis après, je fais les arrangements avec les garçons. Donc c'est ici que, en fait, il y a plusieurs albums. Bah, depuis même Lost Territories, on a préparé une partie ici, tu vois. Et depuis ce temps-là, tous les albums, on les a au moins répétés. Même le dernier, on l'avait répété ici pendant un bon moment avant d'aller en studio. Et... Rouen, alors, curieusement, c'est une ville où tu joues très souvent, mais ici et rarement sur scène. Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Ouais, je suis à Rouen, je suis toujours à Vray, hein. Je suis italo-avray en fait. En fait, mais je viens répéter là, c'est plus commode pour les deux qui viennent de Paris, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis c'est vrai qu'on joue au Havre, on joue régulièrement. Et à Rouen, on n'y joue pas assez souvent à mon gré. Parce que j'aimerais bien aussi, comme on vient répéter à Rouen, que les gens puissent venir nous voir sur scène, quoi. Donc je suis content de jouer à Cléon samedi, parce que d'abord c'est une belle salle, la Traverse, et puis tant pis pour les salles de Rouen qui ne nous prennent pas, tant pis quoi, c'est pas grave, hein. Ils sont nés après nous et ils seront peut-être plus là après nous. Un petit mot pour Cléon, parce qu'il a fait des années à Cléon avec le festival, entre autres, qu'ils font connaître le blues. Oui, c'est vrai. Cléon, c'est incroyable parce qu'ils font connaître le blues. C'est une très belle salle où les gens peuvent s'asseoir au balcon, par exemple, et être debout s'ils veulent sauter en l'air et s'amuser et faire les dingues. C'est cool, quoi. Non, et puis, ils ont une très bonne programmation. Donc, j'ai pas joué beaucoup, mais deux ou trois fois, j'y suis passé. Et j'y suis encore venu voir mes amis de Los Angeles, les Imperial Crowns, en novembre dernier. Je suis monté sur scène, j'ai jamais avec eux. Et comme ça, j'ai pu annoncer la date d'aujourd'hui. Mais c'est bien, faut que ça vienne. Et j'espère que les Rouennais viendront aussi. Tant pis s'ils ne nous voient pas dans les salles de Rouen. Ils pourront nous venir nous voir à Cléon. C'est pas si loin, Cléon. Hein. Let's go.